nous allons commencer par qui? Nous allons commencer avec Monsieur Gabibé Noël. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Commençons par une présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous? D'accord. Je suis Gabibé Passalé Noël, donc un Tchadien né à Sar et qui a passé son enfance entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. Je suis aujourd'hui un jeune entrepreneur tchadien donc, qui dirige un cabinet de conseil et aussi est coordinateur d'une ONG locale qui est spécialisée dans le soutien aux personnes vulnérables, mais particulièrement aux enfants de la rue. Donc nous avons d'abord débuté par les enfants de la rue. Donc, alors professionnellement parlant, mais humainement aussi, qu'est-ce qui a façonné l'homme que vous êtes aujourd'hui? Mais l'homme que je suis aujourd'hui a été façonné par d'abord un environnement, donc plus ou moins, je dirais pas forcément favorable, mais pas défavorable, d'accord. Donc avec un père qui était quand même assez exigeant en matière de perfection. Et il a eu à nous apporter tout ce qu'il avait comme expérience positive, parce qu'il n'a pas eu une enfance facile lui de son côté. Il nous a inculqué des valeurs. Ici. Alors, parlons d'entrepreneuriat. Quels sont les défis quotidiens auxquels l'entrepreneur que vous êtes fait face? Non. Tout d'abord, il y a d'abord l'environnement, institutionnel. Donc, je vous ferai un petit calcul tout simple. Donc, pour une entreprise toute petite qui emploie 5 à 6 employés, vous devez d'abord avoir en tête que vous allez payer un loyer, payer les salariés et payer aussi différentes charges qui sont liées à cette activité, dont les impôts et aussi les charges sociales. Si vous ne recevez aucune recette, si vous n'avez aucune recette, aucun chiffre d'affaires pendant 6 mois, donc faites facilement un petit calcul avec un minimum de charges fixes de, disons, même si c'est 600 000 par mois, pendant 6 mois, ça fait 3,6 millions. Si vous n'avez aucune recette, vous retrouvez donc face maintenant à la difficulté quant à pouvoir continuer cette activité pendant 1 an, 2 ans. Même si vous avez un business plan qui est bien ficelé, quelquefois vous heurtez à la réalité du terrain. Donc bon, il y a d'abord ça comme difficulté. Et puis aussi, il y a aussi l'accompagnement des banques, qui n'est pas évident. Donc vous devez d'abord commencer avec des fonds propres. Pour ça, il faut avoir un bon matelas financier avant de pouvoir débuter. Donc il y a tout ça qui représente d'abord notre grand challenge en tant qu'entrepreneur dès le départ. Selon vous, comment faire pour avoir un esprit ouvert, réceptif, sans jugement ni a priori sur les autres? Comme on dit, tout est relatif, hein. Mais moi, de mon point de vue, il faudrait aborder la vie avec une certaine logique. C'est-à-dire que se dire que nous ne sommes pas tous venus de... Nous n'avons pas tous la même éducation. Donc nous venons tous d'horizons différents. Et qu'on apprenne à accepter nos différences d'abord. Commencer. Chaque être humain a son côté positif et son côté négatif. Donc nul n'est parfait. Donc apprenons d'abord à nous accepter. Et puis ça commence d'abord par là et puis tout le reste viendra. Hein, c'est tout simple. Donc, c'est comme ça que je présente. Monsieur Gabibé Noël, vous êtes très populaire hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, surtout. Vous publiez souvent des articles. Moi, je prends plaisir à vous lire parce que tout le temps, vous êtes là en train d'enquiquiner des gens. Mais je ne sais pas, vous avez un pseudonyme sur Facebook, Sokopoli. Ça vient d'où, ça? Est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Sokopoli, ça veut dire merci beaucoup. En quelle langue? En Mundang. D'accord. Donc, en Mundang, ça veut dire merci beaucoup. Et si j'ai choisi ce pseudonyme, c'est juste pour dire, mais tiens, ben, merci à tout le monde, merci aussi à la nature, merci à mon environnement, merci à mon épouse, merci à mes enfants, merci à mes amis. Donc, c'est juste une plateforme d'échange avec tout le monde. D'accord. En fait. Voilà. Alors, vu que je vous lis très souvent, êtes-vous un utilisateur accro ou modéré? Moi, je dirais modéré. Modéré, vous trouvez? Ben oui, modéré. Mais beaucoup de personnes font un usage inapproprié de Facebook. En effet. Quel est votre constat par rapport à ça? En effet, je pense que vous avez tout à fait raison.
Donc, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un média par excellence par lequel nous devons en principe passer pour véhiculer des messages assez forts qui vont dans le sens de la sensibilisation, que ce soit de la jeunesse ou bien même que ce soit aussi des moins jeunes. Et le vivre ensemble est pour l'instant aujourd'hui, ici au Tchad actuellement, un de nos défis majeurs. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous dites que j'en kikine, donc un peu tout le monde sur Facebook, donc je n'épargne personne. Je touche à tous les sujets et j'essaie un peu de tourner quelquefois à la dérision ceux que les gens prennent trop au sérieux pour éviter justement que ça ne puisse créer des sentiments de malaise ou de frustration qui pourront peut-être déboucher sur des cas de drame qu'on connaît ici un peu au Tchad. Alors, M. Sokopouli, vous me permettez déjà de vous appeler Sokopouli, c'est plus facile pour moi, en fait. Alors, en tant que jeune entrepreneur, quels sont vos projets dans le tiroir? En avez-vous ou pas encore pour le moment où vous vous contentez du cabinet ou vous avez des projets? En effet, comme tout jeune entrepreneur, moins jeune, j'ai des projets à long terme. C'est-à-dire que j'ai d'abord mis en place un réseau de cabinets africains. Donc avec un hub qui se situe en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc nous sommes en train d'y travailler avec plusieurs cabinets de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad. Et pour l'instant, la plateforme n'est pas encore dynamique, elle n'est pas encore active, donc pas encore accessible à tout le monde. Mais nous comptons bien la faire d'ici 2024. Comme je dis toujours, en 2024, vous allez être leader. Voilà. C'est sa signature sur Facebook. Après chaque publication, c'est vous allez lire l'heure en 2024. Parmi les personnes qui ont marqué votre vie, vous avez cité votre mère. Quels sont les enseignements qu'elle vous a transmis et qui ont été très importants pour vous jusque-là? Bon, d'abord, en premier lieu, c'est l'amour. Hein. Donc, la sensibilité, aussi le savoir, savoir-vivre, le savoir-être, le savoir aussi vivre en communauté surtout. Et surtout se dire que rien n'est acquis. Donc on doit se battre pour obtenir ce qu'on veut. Il y a d'abord ça. Et il ne faut surtout pas penser que l'on est supérieur à autrui. L'humilité, c'est d'abord la première des choses. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Comme on parle de famille, on va aussi parler de votre défunt père, paix à son âme. Votre rêve est de pouvoir remonter le temps et de lui dire qu'il avait raison sur toute la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic pour que vous réalisiez maintenant que votre défunt père avait raison sur toute la ligne? Absolument. Donc, mon défunt père, donc père Sanam, a eu à nous répéter à maintes reprises que ce pays a besoin de l'unité. C'est-à-dire que nous devons tous nous comporter comme si nous sommes tous des frères. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour, qu'un Tchadien du Nord voit un Tchadien du Sud d'un mauvais œil et qu'ils ont déjà eu à traverser des périodes assez difficiles pendant les années, les années 70 et autres. Okay? Donc pendant la différente. Et je retiens ceci de mon père, c'est qu'il nous a, moi particulièrement, il m'a demandé de faire très attention aux décisions que je dois prendre. Okay? Donc, j'ai eu à prendre des décisions, quelquefois, que je ne regrette pas forcément, mais toutefois, je me suis dit que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps avant de me décider. Et s'il y a une décision que j'ai eu à prendre, que je trouve aussi être la meilleure, c'est celle d'avoir choisi celle que j'ai prise comme épouse aujourd'hui. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions que. Alors, vous dites que vous avez des adorables enfants qui sont votre source de motivation. Qu'est-ce que vous pensez que vos enfants ne devraient pas hériter de vous? Bon. D'abord de ma timidité. Vous pouvez peut-être pas le croire, mais je suis très timide. Ça se voit hein, qu'il est timide. Il parle beaucoup sur Facebook, mais voilà, il est très timide en réalité. Voilà, donc en réalité, je suis très timide. Et je voudrais qu'il n'ait pas peur de prendre des initiatives. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils aiment, mais pas forcément qu'ils essaient de plaire à tout le monde. Donc, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut suivre sa voie, faire ce qu'on aime. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, donc on est voué à l'échec. Vous êtes romantique à outrance, il faut le dire.
Et vous avez déclaré avoir ressenti quelque chose de merveilleux, d'immense, lorsque votre épouse vous a dit « Oui, vous pouvez passer voir ses parents pour la demande de main ». Racontez-nous un peu ce jour-là. Donc, j'ai passé plusieurs années à faire la cour à mon épouse aujourd'hui. Donc oui, j'ai beaucoup échangé avec elle d'abord pendant des années. Et lorsqu'on s'est rencontrés enfin, ça allait très vite. Donc nous avons partagé des repas ensemble, nous avons beaucoup échangé, nous avons commencé à vivre une vie commune. Mais d'abord, la priorité pour nous, c'est d'abord de voir d'abord les parents. Pour moi d'abord aussi en priorité, pour elle aussi d'ailleurs. Mais seulement elle a préféré qu'on se connaisse un peu mieux avant de pouvoir franchir ce pas. Parce que c'est dit que le mariage, c'est pour la vie. Okay? J'étais d'accord avec elle. J'ai attendu un an. Jusqu'à un an d'abord. Donc, un jour, je lui ai dit, ben chérie, on fait comment? Elle dit, c'est bon, on peut y aller. C'est pour pas savoir comment est-ce que j'étais heureux ce jour-là. Déjà, comment vous avez compris que c'était elle que vous attendiez depuis tout ce temps? Bon, il y a des choses, quelquefois, qu'on ne peut pas... ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Faut le vivre. Comprendre. Alors, comment vous avez connu votre épouse? Ok. On s'est connu sur Facebook. Ah. Voilà. 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 Le bon côté de Facebook. Voilà, le bon côté de Facebook. Quelles ont été vos armes de séduction? Ouf. Je pense que vous n'avez pas été très efficace, hein, parce qu'un an pour attendre qu'elle dise oui. Non, mais le oui, c'est un an après qu'on se soit rencontrés. Hein. D'accord. Donc, il a fallu 3 ans. Waouh. Hein. 3 ans. Oui, 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous êtes très amoureux de votre femme, on sait. Mais on sait que les hommes, quand vous êtes entre vous, ce sont des commentaires parfois pas très innocents. Aujourd'hui, si vous voyez une femme sexy pendant que votre femme n'est pas là, quel sera le commentaire que vous allez faire à votre ami? À mon ami? Eh ben, vous allez dire quoi? Le même commentaire que je ferai devant ma femme. Hein. Elle est canon. Hein. C'est tout. Alors, dites-nous, dans un mariage, y a-t-il des secrets qui normalement, qui ne devraient pas être dits? Ou vous devez tout vous dire? Je pense que on doit tout se dire. Okay? Parce que d'abord, le mariage, c'est d'abord la confiance l'un envers l'autre. Et comme j'ai l'habitude de le dire aussi à ma femme, hein, mais si un jour je suis couché sur un lit, la seule personne qui sera à mon chevet, c'est toi. Donc je ne sais pas ce que je peux te cacher, par exemple, que tu ne sais déjà, ou bien que tu ne pourras aussi un jour découvrir. Elle est aujourd'hui présente pour vous soutenir. Elle est magnifique, votre femme, et une battante également. Mesdames et messieurs, c'est elle qui a fait cette belle tenue pour moi. Caribou Couture, merci. C'est elle qui a fait votre tenue, ah oui, je suppose. Merci. Merci. Un dernier mot avant de passer à notre invité, à votre charmante épouse qui est là, ouais, et à vos enfants qui vous suivront sûrement. Bon, ben écoute, ma chérie, je pense que c'est le moment de te renouveler mes voeux, ou bien nos voeux aussi de mariage. On le fera encore un an plus tard, afin de pouvoir faire le bilan. Je sais que je t'ai aimé depuis le premier jour et puis je continue toujours à t'aimer. Donc il faut que tu le saches. Allez. Merci beaucoup, monsieur Gabdibé. Vous restez avec nous. Oui.